Monsieur Giraud. Vous n'êtes pas inscrit sur l'article 2 ? Si, si, pardon. Pardon. Pardonnez-moi, monsieur le président. Quelques considérations, si vous le permettez, sur cet article 2 et sur la problématique posée sur les statuts de fonctionnaires qui deviennent par ailleurs parlementaires. Alors, sur ce sujet, il est vrai que certains pays ont adopté des attitudes différentes. La France n'est pas l'Allemagne. En Allemagne, il y a une certaine éthique qui fait que lorsqu'un fonctionnaire est appelé à perdre une élection et à redevenir après son mandat un parlementaire, un fonctionnaire simple et ordinaire, la question ne se pose pas de son réemploi dans les statuts et dans les fonctions qui étaient les siennes préalablement. Mais nous sommes en France. Nous sommes en France et dans cet article, on propose de supprimer le détachement par la mise en disponibilité. La mise en disponibilité prévoyant, entre autres, que pour certains fonctionnaires, la remise à disposition de la fonction publique se fera dans un cadre national. Un cadre national qui fait qu'un enseignant à Nice pourra se retrouver demain dans une autre contrée à 1000 km de son domicile sans qu'il ait de droit à recours et quel qu'il soit. Alors, je suis aussi un peu choqué, je l'avoue, par le fait que sur un texte sur la transparence de la vie publique, nous soyons en train d'examiner des problématiques de ce type-là, parce que ce qui a déclenché ce texte, ce n'est pas forcément qu'un fonctionnaire, fût-ce un fonctionnaire d'autorité, a fauté, mais tout simplement parce qu'il s'est produit quelque chose qui relève d'une toute autre nature. Et je serais heureux que l'on examine les problématiques des fonctionnaires devenant élus locaux comme des gens issus du privé devenus élus locaux ou élus nationaux dans un contexte qui est un contexte du statut de l'élu et non pas dans un contexte qui est celui de la transparence de la vie publique qui n'a absolument rien à voir avec cette situation. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un certain nombre d'amendements. Amendements qui permettent effectivement d'assumer une certaine égalité entre le privé et la fonction publique, j'en finis rapidement, comme par exemple de faire en sorte que les droits à l'avancement des fonctionnaires ne puissent pas progresser pendant cette période. Mais en aucun cas, nous pouvons nous trouver dans une situation où nous jetons en pâture une catégorie socioprofessionnelle, et je dis cela pour les fonctionnaires, mais je le dirai pour d'autres catégories socioprofessionnelles, tout simplement parce qu'ils ont eu le tort d'être élus, sauf à considérer que quand on est parlementaire, on doit être mis en examen immédiatement le lendemain de son élection.